C'est justicieux. Tu vas au 21ème siècle. Le Zara, ça contre le CPE. Tu vas l'avoir dans la rêve. Parce que quand tu seras au chômage, eh ben tu pourras plus aller à la plage. Qui c'est qui allait manifester devant la santé? C'est peut-être toi, non, moi je voulais du travail. Le CPE c'était le moyen pour y arriver. T'as pissé dessus, maintenant faut pas aller chialer. Vous allez brûler des livres à la Sorbonne. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes des grosses connes. Réfléchis mon grand, tu seras au chômage. Ce sera pas la faute du gouvernement. De Villepin, c'est pas un gros lapin. Vous l'avez niqué, mais il reviendra. Comme tous les chevaliers aux cheveux dorés. Sur un cheval blanc, il reviendra avec une épée. Il vous tranchera la tête et se marrera bien. Vous serez au chômage, vous aurez des gosses sur les mains. Et vous pleurez, mais moi je vous pisserai dessus. De Villepin, c'est un ouf, le bâtard. Vous dites avec le CPE, ce sera la précarité. Mais moi je vous dis non, vous êtes mal informés que des petits branleurs, des fils gâtés qui n'écoutent que ce qu'on leur dit pas leur. Fallait écouter un mec qui s'appelle Kevin Brooks, qui avait la science infuse, qui vous a donné la réponse, mais vous lui avez chié à l'arrêt. Kevin Brooks, t'es le meilleur, je te le dis. Oh yeah, les vacus sur le CPE, c'est ça qu'on veut. Parce que vous êtes mal informés, vous êtes que des kékés. Les tracts sur le CPE, il a une bonne idée, mais vous lui avez pissé sur son langage châtié. Il a une petite calvitie, mais ça c'est pas bon sur lui, que c'est un petit kiki. Quand il sera président, vous montrez moins les dents. Parce qu'avec lui, ce sera cannabis légalisé pour que tous vous crevez et que plus jamais vous nous fassiez chier. Oui, je demande le menu du jour. Du chômage et de la précarité, c'est ce qu'on veut. De toute façon, on va tous crever, on en a rien à foutre. La planète est foutue, alors autant s'amuser. Mieux vaut en rire que s'en foutre. De toute façon, si c'est pas avec le chômage, la grippe aviaire achèvera de nous piquer notre plage. Tous les mecs qui font de la guitare, comme Lucas Coudard, tu crois que c'est un art? T'es qu'un fessard, va retourner crêcher chez les lois. Pas les noirs, la les guitare. Noirs. Eh, bâtard. La guitare, c'est pour les bâtards. C'est un instrument comme tous les autres, mais bien plus de jeunes le pratiquent. Car c'est la classe de fer de la guitare. C'est un portique. Pour la révélation sociale, c'est épique. Si tu fais de la guitare, t'es pas une tare. C'est ludique. Comme un porc épique. C'est magique. C'est un laxatif. Il se marre le gros gland, mais oui c'est une merde. Un Irlandais venu du communisme, droit du froid. Il se marre bien, il va tous crever aussi. Lui le CPE il le voulait, maintenant il s'en fout. En Irlande on a des usines, IBM. Tous les jeunes travaillent, ils sont tous des travailleurs. Le salaire est bien plus haut qu'en France, parce qu'on vous pète la gueule. En France, vous êtes assistés comme des merdes. On vous paye vos contrats, vous êtes protégés comme des enculés. Mais ouvrez les yeux, est-ce que le SMIC en Europe il est aussi élevé? Et là on va plus qu'il veut encore l'augmenter! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est magique! C'est porc-épique! Les socialistes, ils vous sont des utopistes! Ils vous mènent dans un rêve! Sortez de votre bulle! Regardez un peu ailleurs! Les socialistes! Qu'est-ce qu'ils apportent? Des fausses idées! C'est des cocos! Oh! DJ Fofo dans la place! Bah, avait raison! Vous êtes que des hérissons! File pas! Il nous a pas pris pour des cons, il voulait nous aider pour les lieux épicés sur son langage châtieux. En plus de Villepin, il est bon. Il s'est pris un râteau.